Rebonjour, nouveau thème Harry Potter. On continue bien sûr l'avancée de mon carnet Serpentard. Le collier d'opale, un de mes Horcruxes. Est-ce possible qu'il peut tuer des sorciers et sorcières au sang mêlé? Telle est la question. Pas mal d'explications seront là. Et la première que j'ai à dire, c'est peut-être. Voilà. Et la seconde. C'est que si on se rappelle bien, dans Harry Potter 6, le prince de Sang-Mêlé, Rogue ne touche pas cet objet de ses propres mains. Il utilise sa baguette pour l'examiner. Donc c'est pas pour rien qu'il fait ça, je pense. Et comme lui-même est de Sang-Mêlé, il peut avoir un lien dans le sens où cet objet peut être dangereux pour les Sang-Mêlés, pourquoi pas? Si vous avez d'autres exemples qui peuvent illustrer cette idée, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis bye. Allez, ciao!